J'avoue que ça donne envie, hein. Et tu l'avances en euros, c'est ça? Tu l'avances combien? Ah oui. Ok, vous faites combien déjà le prix? Et c'est parti pour le compte-rendu de Villegreny qui était uniquement à Paris et une en 91 comme d'habitude. Donc je commence par un jeu DS, je commence par le Advancer Wars Dark Conflict sur la DS. Donc en super bon état, parfait état, franchement nickel. Ça, ça rentre dans la collection. J'ai jamais joué à ces jeux de stratégie, j'ai jamais joué à ce type de jeu, donc ça va être l'occasion. C'est pas mon délire à la base, mais pourquoi pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit code, il n'est même pas gratté. Donc ça c'est super, ça vient compléter la collection de jeux DS. Voilà, on pose ça là, faut pas que ça se casse la gueule. Là maintenant on va passer à des jeux PS3, c'est un lot de 3 jeux PS3. On va commencer par le Borderlands édition Game of Year, avec toutes les publicités, tous les petits trucs. Le petit code qui est en dessous, vous voyez, est spécial Duke Nukem, il est déjà en dessous, je sais pas si on verra, hop. Je vais pas faire montrer le code, bon enfin bref, vous avez compris. C'est le numéro 697. Donc là, comme c'est le bordure noire, donc on aura les trophées. Et c'est en français. Donc ça rentre dans la collection de jeux PS3. Oh, la caméra, elle bouge beaucoup. Je récupère aussi le Final Fantasy 13-2. Vous voyez, ah, magnifique. Ah, j'aurais dû nettoyer là. C'est dégueulasse. Ah, c'était là. Hein. De l'autre côté, c'était un peu dégueulasse. Donc ouais, là aussi. Donc il est en français. C'est marqué, il ne peut être vendu séparément. Mais il a été quand même vendu séparément. Il n'y avait pas le choix. Donc il est complet. Notice. Hein, je ne présente pas les Final Fantasy, je pense que tout le monde connaît. Hein. Hop, surtout le 13-2, tout le monde le connaît. Donc c'est le numéro 1269, et bien sûr il y aura les trophées, hein, vu qu'il y a la bordure noire. Il y aura les trophées. Et le dernier jeu, hein, je ne le présente pas non plus, hein, puisque bon, je le présente quand même pour vous montrer, mais sinon l'histoire je ne le présente pas parce que c'est un classique. C'est The Last of Us Part 1, non j'allais dire Part 1, non, c'est The Last of Us tout court. Parce que c'est Part 1, c'est sur PS4 et PS5. Donc c'était le jeu qui était uniquement vendu sur la PlayStation 3. Et là, il est complet. Donc je sais qu'il existe deux versions. Il y a cette version-là, la première. Il y a une autre version, il me semble qu'il y a la démo de Uncharted. Je dis pas de bêtises. Je sais plus, il y avait un truc. Il y avait un autocollant, il me semble, un truc comme ça. Je sais plus. Ah non, c'est peut-être God of War. Non, c'est pas God of War. Bon, en tout cas, c'est par les créateurs de Uncharted. Donc c'est Naughty Dog qui a fait ce jeu. Donc j'ai payé ce lot de 3 jeux. Ah, j'ai oublié de dire le numéro. C'est 1584 pour The Last of Us. Et donc il y aura aussi les trophées. Donc ce lot de 3 jeux, je l'ai payé 5€. Et on va passer à du très intéressant. Ouais, on va passer à ça. 3 petites cartouches. Vous connaissez hein, les cartouches grises, les fameuses. Donc on va commencer par la cartouche grise Warrior Land. Normalement il y avait la boîte, je crois. Il y avait la boîte, mais j'ai dû le laisser dans. Parce que j'y ai joué, hein, à Warrior Land. C'est le Wario Land Super Mario Land 3 que vous voyez ici. État franchement nickel. Alors, c'est une vraie cartouche. Hein. Il est marqué 22 dessus. C'est une impression dessus. À partir du moment où vous voyez des chiffres sur l'étiquette avant de la Game Boy, c'est que c'est une vraie. Hein. Donc, ça, c'est le Wario Land sur Game Boy. Je ne sais plus ce que je voulais dire en fait. Donc, on rentre le Mario Land. Donc, ça, ça va là en parfait état que j'avais pas dans la collection. Je rentre. Le Astérix que tout le monde connaît, hein. C'est pas fameux, c'est pas ouf, hein. Mais au moins ça rentre dans la collection et c'est une vraie, il y a marqué aussi 22. Donc ce n'est pas une fausse cartouche, parce qu'il peut y avoir des fausses cartouches, mais bon. Faire une fausse cartouche d'Astérix, mais alors en parfait état par contre. Hein. Là on voit pas bien, mais là on voit bien, elle est en parfait état. Nickel, franchement tout propre.
Il me semble pas que j'avais dans la collection, donc bon. De toute façon, c'était un loup, le mec il a dit c'est ça ou rien, donc il n'y avait pas trop le choix. Il fallait prendre le loup. Et le dernier, encore un classique que le monde entier connaît, hein, c'est Tintin en anglais, Tintin au Tibet. Donc là, il est en français, bien sûr. Hein. C'est Tintin au Tibet, pareil. Ah, nickel. Alors j'avais le même, mais sauf que le mien, il avait des petits tags au stylo là sur le dessus. Donc l'autre, je vais le revendre. Et celui-là, je vais le garder parce que, hop, je vais l'upgrader. Puisque celui-là, il est nickel. Il est tout propre. Regardez ça, c'est tout neuf. C'est lavé avec Myrlène. Donc pareil, c'est marqué 22. C'est estampillé numéro 22. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire exactement 22. 22 Vlaïfli, peut-être. On sait jamais. Donc j'ai payé ce lot 20 euros. Quand même, c'est un petit peu cher. Mais les Wario, quand même, ça m'a vraiment tenté. C'était surtout le Wario qui m'a tenté. Donc au lieu de 25, hein, à la base, c'était 25 euros. Je crois même qu'à un moment, il avait même dit 30, je crois, au début. Et quand je suis revenu, ben, j'ai dit 20 euros, il m'a dit oui, bon, on prend. Donc c'est 3 jeux pour 20 euros. Mais il y a quand même le Wario, qui est pas mal coté quand même, une vingtaine d'euros, donc ça rattrape, hein, c'est bon. Et là, on va passer au lot suivant, et c'est toujours des cartouches, mais c'était ailleurs. C'était dans Paris, non, c'était en 91, ou dans... ouais, c'est en 91. C'était en 91, j'étais en train de discuter avec une personne qui parlait de jeux vidéo, mais à un moment, mon œil, vous savez, quand vous êtes en brocante, tout ça... Mon œil, tac, c'est Terminator, hein. Je suis un Terminator quand je suis en brocante ou en grenier. Mon œil, c'est ça, il y a marqué des infos dessus. Et après, là, il y a une dame qui est juste passée, qui a son sac, là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois juste ce bord-là. Voilà, attendez, voilà. J'ai vu juste ça en une seconde, quand ça passait devant mes yeux. Moi, dans son sac, hein. Comme ça, juste ça, comme ça. Et là, il y a 2, 4, 6 jeux Game Boy. Alors, il y a un jeu Game Boy Color. Il y en a un ou ça... Il y en a peut-être deux. Non, attendez, je sais pas si vous considérez ça comme des jeux Game Boy Color, je sais plus. Bon, enfin bref, vous avez compris quoi. Il y a 6 cartouches, 2, 4, 6 cartouches Game Boy. Alors, on va commencer par des classiques. Alors, c'est que des classiques, mais bon, c'est pas des classiques, c'est du lourd quand même. Là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd au niveau des titres. C'est le Donkey Kong Land, déjà avec la petite cartouche jaune. Parfait état, bien sûr. Alors là, en ce moment, je rentre des jeux en parfait état au niveau des Game Boy. Alors celui-là, il est estampillé 00. Non plus que 7, et ça faisait 007. Donc en parfait état, avec sa petite boîte comme les autres. Hein. La petite boîte qui va avec, en parfait état, même pas décoloré, même pas arraché étiquette. Ça se demandait s'il n'a pas été fait hier. Donc il y a le Donkey Kong Land. Il y a, classique, un génial Mystic Quest, que je ne présente plus, hein. Vous connaissez tous Mystic Quest, hein, je pense. Hein. Magnifique, pareil. Elle est lisse, on dirait une fausse presque. Mais c'est numéro 28, c'est marqué dessus. Donc nickel, est un nickel. Donc le Mystic Quest, que j'ai pas. Et d'ailleurs le Donkey Kong que j'ai pas non plus. Par contre celui-là, je l'ai. Alors non, je vais pas faire celui-là, je vais faire celui-là d'abord. Le Zelda Oracle of Season, c'est celui-là. Hein. C'est le Oracle of Season, il est rouge. Oracle of Season sur Game Boy Color avec bon, sans doute la pile a changé, je pense, hein, à tester, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, je n'ai même pas testé, voir si ça fonctionne. Donc, ça va être la surprise. Donc, c'est le Zelda, les jeux légendes of Zelda Oracle of Season. Donc, en parfait état, pareil, avec le petit numéro 22. 22 Vlaïfik. 22 Vlaïfik, les jeux de Game Boy. Donc, voilà, ça c'est le troisième. Et il me reste encore 3. Donc, là, attention, c'est du pot. Ça finit, ça commence par P et ça finit par N. Ou ça commence par Poke et ça finit par Emon. Donc c'est le Pokémon jaune. Avec la petite cartouche jaune. C'est là pareil, un petit peu légèrement sale au niveau de la cartouche en haut. Et ah, il y a marqué Mine. Mine. Je sais pas qui c'est Mine. C'est pas la première fois que je vois des gens qui écrivent sur... C'est pas la première fois que je vois des gens qui écrivent sur les cartouches comme ça. Donc, parfait. Je rentre le petit Pokémon jaune en parfait état. L'étiquette même pas abîmée. Pour une fois, c'est rare. Les Pokémon, généralement, ils sont abîmés. Je rentre, je crois que je l'ai dans la collection, le Pokémon argent. Il me semble que je l'ai déjà. Le Pokémon argent. Mais bon, c'était dans l'eau. Hein. On va pas cracher dessus. Par contre, celui-là, il est un petit peu sale. Il y a une tache dégueulasse. R qui c'est dégueulasse. Par contre, je vois pas le numéro dessus. Non, je vois pas de numéro dessus. Donc, je pense que c'est une vraie. Hein. La couleur de la cartouche, je pense que c'est une vraie, après peut-être que je me trompe. Hein. Donc c'est le Pokémon Argent, version Argent. Et le dernier titre, c'est le que je l'ai déjà, que je vais récupérer dans un jeu DS d'ailleurs, je crois. Ou dans un jeu PlayStation, je sais plus. Non, un jeu PlayStation, il me semble. C'est le Pokémon version Or.
Donc, hop, on va ouvrir et celui-là, on voit pas le numéro non plus. Je le vois pas. Je suis obligé, mais je vois pas le numéro. Donc, je ne vois pas que ce soit une fausse. Hein. Pour moi, c'est rien du tout vrai. Dites-moi en commentaire si c'est une fausse. Hein. C'est peut-être possible. Mais bon, vu que le prix que j'ai payé, c'est rien du tout. C'est une bouchée de pain. Hein. C'est une misère. Hein. Rien que le Pokémon jaune, c'est bon. Je suis refait pour la journée. Hein. Donc, le Pokémon version or. État nickel. Bon, juste un petit peu nettoyer la boîte. Donc, j'ai payé ce lot. Hop, ça va pas tout tomber. Ce lot pour 20 euros. Au lieu de 30, j'ai baissé 10 euros. J'ai quand même réussi à baisser 10 euros. Donc très content, je récupère tout ça. Donc il y a certains qui vont être à l'échange, peut-être avec Nat, si elle n'a pas le Pokémon version argent. Parce que je crois que je l'ai en double. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le reste, ça partira à la revente. Hein. Du coup, je récupère aussi. Ouais, il y a ça aussi, oui. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une manette de PlayStation. Anniversaire. Vous avez pu le voir dans les vidéos short et dans le, je crois qu'elle était, je l'ai mis en short et je crois que je l'ai mis dans la vidéo que vous allez voir là. Donc c'est une manette PlayStation 4. Oh la vie, ça sent un peu dégueulasse. C'est une édition à 20e anniversaire. C'est la manette PlayStation 4 édition 20e anniversaire. Autre l'autocollant et on voit bien qu'il a utilisé. On voit bien que c'est une vraie. Elle est juste magnifique à part ça. Vous voyez ça? Juste l'étiquette qui est vraiment décolorée à l'arrière, mais sinon en parfait état. Et cela, je l'ai payé 5 euros au lieu de 10. Parfait état, nickel. Franchement, que dire de plus? Et elle fonctionne parfaitement. Il y a la poussière, hein, là, hop. Et elle fonctionne parfaitement. Donc j'ai deux coloris, trois coloris pour l'instant. Celle-là, 20e anniversaire, une bleu foncé et une noire classique. Bon, bah, c'est la classique, la noire. Donc ça, c'est sûr que tout le monde l'a généralement, cette manette-là. Et la dernière chose que je rentre, parce que maintenant je regarde souvent dans les boîtiers CD, parce qu'une fois j'ai eu les boules parce qu'il y a un mec qui a réussi à récupérer un CD de Rule of Rose dans un boîtier de musique d'album. Alors je ne sais pas quel album, mais en tout cas c'était dans un album, c'est ce qu'il m'a dit. Bon je le crois, hein, je pense pas qu'il ment, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai bien fait de regarder puisque j'ai récupéré quand même quelque chose qui est pas mal, puisque c'est du Sega, et c'est un boîtier CD. Le CD, donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Un indice, voilà l'indice, et un indice est affiché au milieu de votre écran. Hop, voilà, Sega, et c'est le Mighty Morphin Power Rangers. Alors, celui-là, je peux vous dire très content de l'avoir récupéré parce que j'ai payé 1 euro déjà, donc assez symbolique. Je pense que la personne a dû croire que c'était l'album des Power Rangers, mais moi j'ai peur un moment, j'ai tilté, j'ai fait attends, c'est Power Rangers. Pendant un moment, j'ai fait. Ah, parce que je voyais pas ça. Hein. J'avais pas vu le. J'ai vu juste ça. J'ai passé. J'ai pas vu le Sega ni ça. Donc je croyais que pendant un moment, c'était un album. Et après, quand j'ai vu ça, bah, je le sais parce que je l'ai au moins déjà. Et j'ai récupéré la notice de celui-là pour le mettre dans le mien qui est là-bas. Qui est un super bêta. Parce que le boîtier, moi, je l'ai changé. Ce qui était complètement abîmé. Et du coup, celui-là, bah, je vais le mettre de côté ou alors je partirai à l'échange. Là, il n'y a plus la notice. J'aurais dû peut-être la laisser dedans pour vous la faire montrer, mais bon, c'est pas grave. C'est le Mighty Morphin Power Rangers. Alors celui-là, il coûte super cher. Hein. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un FMV. Comme vous pouvez le constater, hop, ici, à l'image, c'est en anglais, allemand, Hartung, en français, si je dis pas de bêtises, et en toutes les langues quoi, qui existaient à l'époque européenne. Donc très content de récupérer ce Mighty Morphin Power Rangers. Et voilà, c'est tout, hein. Là, c'est bon, j'ai fait tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao!